Laure Hoffmann, après les séries de 800 mètres, c'était comment ? Tactiquement, je pense que c'était assez mauvais. Je fais beaucoup d'extérieur. J'ai la chance d'être un peu plus forte que les autres, donc ça peut passer. Et bah, en fait, ouais, ça part pas très vite. Moi, je sens que j'ai toujours envie d'aller devant, en fait. Et je me dis, bah, j'entends mon coach dans les tribunes qui me dit calme, calme, calme. Alors, je me dis, ok, non, je ne vais pas tout devant. Mais ouais, j'avais envie d'aller plus vite que ça. Puis bah, le dernier tour, ça s'excite un peu, mais moins que ce que je croyais. Moi je crois que c'est moi qui bloque un peu Iné tout le temps et qui fait qu'en fait elle saute en série alors que c'était l'ultra favorite. Donc bon bah pour ça je suis contente. Puis enfin je suis étonnée en fait de la vitesse du dernier tour. Je me suis dit oh là là mais moi je peux pas mettre de kick là comme ça. Puis je sais pas si j'arrive à gagner si c'est comme ça à la vite. Mais je sens que ça suffit pour être deuxième et puis bah moi je cherche pas beaucoup plus donc c'est bien. Alors, on se réjouit déjà, bon repos pour demain. Effectivement, il y avait une tête d'affiche dans cette série, plus une deuxième qu'on pensait qu'il passait, c'était toi. Et après, c'était très ouvert. Puis la tête d'affiche qui passe par la fenêtre, qu'est-ce que ça te fait dire ? Et moi, j'étais super surprise. Moi, je pensais que c'était elle qui finit troisième derrière moi. Et quand j'ai vu sur le panneau que c'était la belle, je me suis dit waouh ! Bon, dis donc, en fait, il y a vraiment tout qui est remis à zéro en championnat. Puis ben, ça fait peur et ça montre que. Bah, rien n'est joué sur 800 et qu'il faut toujours donner le meilleur soi-même et autant tactiquement que physiquement en fait. Alors on se réjouit de voir la demi-finale avec deux Suissesses en demi-finale. Ah c'est vrai, c'est qui la deuxième? Célina Célina est passée aussi. Oh trop bien, alors je me réjouis.